soir. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. C'est important pour nous de faire ces réunions publiques. Vous savez que ce soir, par exemple, mon camarade Jean-Luc Mélenchon, notre président de groupe, est en meeting à Toulouse avec Manuel Bompard, qu'il a multiplié les déplacements comme cela et qu'on les multiplie tous nous-mêmes au sein du groupe parlementaire. J'étais il y a peu de temps à Aurillac, il est prévu que j'aille aussi à Reims, à Grande-Synthe, plus par chez moi. Et on est en train de voir pour, a priori c'est en train de se finaliser, de caler une date à Angers. Parce que pour cette bataille des retraites, il est essentiel pour nous que ce ne soit pas une bataille qui soit confinée uniquement à l'Assemblée nationale, à ce qui peut se passer dans l'hémicycle, qui parfois est intéressant, parfois beaucoup moins, mais comme si c'était sur nous, 17 députés de la France insoumise, et les amis du groupe communiste et ceux du groupe socialiste qui veulent bien mener la bataille, comme si les espoirs reposaient sur nous. Il faut quand même être raisonnable. Le principal espoir réside dans la capacité des uns et des autres, de résister, des femmes et des hommes de ce pays, à résister exactement, à se mobiliser, à être dans la lutte et à mettre en échec cette politique. C'est pourquoi nous avons aidé la mobilisation dès qu'elle a pu se mettre sur pied. Ce qui était bien cette fois-ci, c'est qu'on a commencé dès le mois de décembre, alors que le texte n'était pas du tout arrivé ni en Conseil des ministres, ni à l'Assemblée nationale. Ce qui est un peu une nouveauté, puisque d'habitude, le mouvement social se met un peu en action, en synchronisation avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et nous, ça peine toujours dans la bataille, puisqu'on préférait que la mobilisation soit là avant, pour en faire état à l'Assemblée nationale, et que les deux s'alimentent réciproquement. Et là, on est dans ce cas de figure. C'était assez remarqué, et pour que je vous le partage, parce que pour nous, à l'Assemblée, c'est un grand honneur de savoir que, bien que nous soyons que 17 de la France insoumise, ce sont en réalité la voix de milliers de femmes et d'hommes qui, eux, sont dans la rue comme aujourd'hui, ou le samedi, ou les autres jours de la semaine, quand c'est d'autres jours de la semaine, et de pouvoir se dire que c'est toutes ces personnes qu'on a derrière nous et la voix qu'on va porter dans l'hémicycle. Bon, je vais structurer mon propos en deux morceaux. Je vais peut-être vous commencer sur le fond de la réforme en tant que telle. Qu'on comprenne bien de quoi on parle. Le fond de la réforme, est-ce qu'on ferait à la place? Parce que c'est important, et on l'a répété plusieurs fois dans l'hémicycle, sur les plateaux télé, et à qui veut bien l'entendre, qu'il y a ce document-là qui a été édité, n'est pas une mince affaire. Alors vous avez vu les macronistes, parce que comme ils ne travaillent pas, c'est un peu fainéant, ils ont dit sur les plateaux télé, on dit oui, on a un contre-projet sur la réforme des retraites. On dit oui, mais votre truc, ça fait que 15 pages, alors que notre projet de loi, lui, fait une soixantaine de pages. Hein, comme si c'était le nombre de pages qui faisait la qualité. Quand on voit l'étude d'impact qui fait plus de 1000 pages et qui est un tissu de mensonges et de trucages, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État, c'est pas finalement le nombre de pages qui compte. Et en plus, ces fainéants, ils n'ont pas vu qu'il y avait exactement 38 pages dans le document. Donc ils disent sur les plateaux, il n'y a que 15 pages, personne n'a pris le temps d'ouvrir et de regarder juste le chiffre indiqué ici en bas. Le nombre de pages, ça n'a pas beaucoup d'importance en effet, puisque c'est la qualité du document qui compte. Et de se dire que ce contre-projet, qu'est-ce qu'il prévoit? Je vous le dis rapidement, la retraite à 60 ans et à taux plein. C'était un argument de campagne très fort pour nous. Déjà en 2012, et encore en 2017, pendant l'élection présidentielle, c'était dans l'avenir en commun. On n'avait pas précisé toutes les pistes de financement, et puis dans le détail, comment on ferait pour arriver à une retraite à 60 ans et à taux plein. Disons que cette bataille sur les retraites, là, précisément, nous a permis d'approfondir tous ces éléments-là et de tracer des pistes de financement. Le document est d'ailleurs structuré en trois parties. La première partie est sur l'actuel fonctionnement de la sécurité sociale et du système de retraite. Parce que quand vous entendez les députés de La République En Marche, le président de la République, le gouvernement, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites, qui a remplacé Delevoye, parce que je vois à peine Delevoye, hein, c'est Delevoye, Delevoye plus, puisqu'il avait omis ses 14 ou 15 mandats dans des associations en lien plus ou moins direct avec les assurances, enfin bref. De se dire que le système actuel, ce n'est pas ce qu'il décrive. Bien sûr qu'il pourrait être perfectionné, bien sûr qu'il doit être amélioré, bien sûr qu'il comporte des injustices et des inégalités. On a souvent parlé des femmes qui ont les plus petites pensions dans le pays, c'est une réalité. N'empêche que quand on se compare aux autres pays européens, le système de retraite par répartition à la française
fait qu'on est dans le plus bas taux de retraités pauvres d'Europe. D'accord ? C'est vous dire comment c'est chez les voisins. Parce que c'est pas très glorieux non plus en France. Hein. La plupart des retraités ils ont des pensions quand même de misère. Hein. Mais dites-vous bien que chez les voisins, c'est encore pire. Et pourquoi ? Parce que la plupart ont un système, soit par capitalisation, et surtout, dans la plupart des cas, un système de retraite par points. Okay ? Voilà, ça permet de commencer à vous donner à voir le pourquoi on conteste cette réforme. Parce que j'en ai entendu un certain nombre, et les plus attentifs, alors on n'en fait pas plus écho que ça, mais c'est quand même bien de signaler à ce moment de la discussion et de ma présentation, tout le monde n'est pas opposé au système par points en soi. Nous sommes opposés au système par points en soi. Parce que le système par points, il n'a qu'une seule et unique vertu, et c'est François Fillon qui en parle encore le mieux, il explique ça en 2015, si vous trouvez que c'est trop loin, vous pouvez écouter Éric Woerth, président de la commission des finances actuelle, membre député des Républicains, qui explique, à qui veut bien entendre dans l'hémicycle, et il l'a expliqué en commission spéciale, que la seule utilité du point, c'est de pouvoir, sans être obligé de faire une réforme, de passer devant l'Assemblée nationale et donc d'avoir des grèves, des gens qui râlent, etc., de pouvoir, sur un coin de table, diminuer ou augmenter le niveau des pensions, comme ça. Ok ? C'est pour ça qu'ils nous disent, il y en a marre des réformes paramétriques. Alors, ce qu'ils nous racontent, il faut faire une réforme systémique. Ok ? Et donc, c'est-à-dire que, avec le système actuel, beaucoup d'éléments sont dans la loi. L'âge de départ, l'âge de décote, l'âge de surcote, le nombre de trimestres que vous devez cotiser, le montant de calcul des pensions, les 25 meilleures années, le taux de remplacement, toutes ces choses-là sont dans la loi. Donc quand vous voulez faire des économies sur la retraite, sur le budget des retraites, eh ben, vous êtes obligé de changer la loi. Alors qu'avec leur machin sur les points, vous n'avez plus besoin de changer la loi. Il y a un point, et il y a un conseil d'orientation des retraites, une sorte de super conseil d'administration des retraites, qui est créé et qui sera chargé de bouger la valeur du point en fonction du pognon qu'on veut bien mettre sur la table. Et c'est là qu'on vous explique, et je vais basculer sur le système Macron, qu'est-ce qu'il nous propose le système Macron ? Une règle d'or. En disant, bon écoutez, vous êtes bien tous gentils, mais les retraités, ça coûte cher. Donc on va faire en sorte qu'on va sanctuariser une part du PIB qu'on va allouer aux retraites. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est la richesse qu'on produit en une année dans le pays. Et ils disent pas plus de 14%. Pas de raison. Alors allez savoir pourquoi pas 15, pourquoi pas 16. Non, c'est parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, on est à 13,8% du PIB. Ils disent, ouais, c'est déjà. Et puis c'est surtout en vérité que quand on parle du PIB, on parle de la richesse produite. Donc la richesse produite, ensuite, on la partage entre le capital et le travail. Le capital qui va rémunérer les profits, donc les dividendes des actionnaires, le travail, il y a les salaires, et le salaire, c'est-à-dire dans son intégralité, le net, et les cotisations qui vont avec, donc pour les retraites, l'assurance maladie, etc. Donc forcément, plus vous augmentez la part que vous donnez aux retraites, moins il en reste pour le capital, qui, voilà, donc, et, bon, comme ils sont tous malheureux, vous avez bien vu, hein, en 2019, 12% d'augmentation des dividendes dans le pays, donc ils sont arrivés à 49 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Donc comme ils sont trop malheureux, il ne faut pas leur en prendre trop, donc ils ont dit 14% du PIB. Okay ? Je vous le dis de manière ironique parce que je pense que ça permet de mieux comprendre les enjeux de ce qui est en train de se dérouler. Or, on sait que la part, le nombre de retraités va augmenter dans les années à venir. Parce que la pyramide des âges, comme on dit, les baby boomers, maintenant on va être des papy boomers, c'est comme ça qu'ils disent, hein, enfin, ouais. On en parle, et donc on va avoir beaucoup plus de retraités. Donc, beaucoup plus de retraités, une part du PIB qui reste identique, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour se rendre compte qu'il va y avoir moins de retraites par personne. Ok ? Là, c'est juste la base. Et on nous dit, de toute façon, on ne peut pas allouer plus de parts de la richesse dans le pays, parce que, ben, vous comprenez, de toute façon, c'est pas grave, parce que le PIB, il va augmenter tous les ans. Donc ce que vous dites, monsieur le député, est faux. Ok, il y aura peut-être plus de retraités, mais comme 14% du PIB, aujourd'hui, ça fait 300 milliards, demain, le PIB, avec la croissance,
qui nous aident, la puissance qui s'envole. Si on dépasse les 1 en Provence, c'est quand même déjà bien glorieux. Et ben, ils nous disent ben, ça va augmenter quand même le nombre de milliards qu'on aura à se partager entre retraités. Mais comme c'est une proportion, vous vous ferez avoir dans tous les cas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre deux, il y a quand même l'inflation, la hausse des prix, etc. Je vais reparler de ça parce qu'ils essayent d'embrouiller le débat. Vous avez forcément entendu à la télé, ils vous expliquent que la valeur du point ne diminuerait jamais et que la valeur de conversion du point ne diminuerait jamais non plus. Et que, non, t'inquiète pas, tu verras ta retraite, de toute façon, ça va bien se passer. Bon, déjà, quand on vous dit ça, il faut se poser des questions. Hein. Donc, vous avez compris pourquoi ils font un système par point. Ils ne veulent pas s'emmerder, le gouvernement successif, tous les 4 à 5 ans, à devoir faire une réforme des retraites. C'est pénible pour un gouvernement libéral. Rendez-vous compte, il y a des gens qui font grève, c'est chiant. Il y a des gens qui veulent des autocollants sur les permanences des députés de la majorité. C'est usant, quoi. Donc, ils se disent, si on peut s'économiser tout ça, hein, on ne va pas se priver. Et donc, il y en a quelques-uns qui ne sont pas tellement opposés à la réforme par point. Bien qu'ils soient avec nous, en partie, dans la bataille. Je pense notamment aux socialistes, qui ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas opposés par principe au système par point, et notamment aussi à Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, qui a fait une longue tribune avec un certain nombre de ses camarades, pour expliquer lui aussi qu'il n'était pas tellement opposé au système par point. Et bien moi, je leur dis à ceux-là, vous vous plantez, vous vous trompez. Le système par point, vous pouvez dire... Vous pouvez dire, quand ça sera nous, on aura un point juste. Ouais, mais en attendant, c'est pas vous. Et puis peut-être que si demain on y était, après demain, on n'y sera peut-être plus. Donc on pourrait peut-être mettre des trucs dans la loi qui soient des paramètres, qui soient stables et qui soient rassurants pour les uns et les autres. Et surtout qu'en faisant ça, finalement, vous dites aux gens qu'ils ne sauront pas quel sera le montant de leur retraite et que ça ne dépendra que de la conjoncture économique. Or, rappelez-vous 2008. 2008, crise financière mondiale. La France atteinte aussi, puisque évidemment, les grandes banques sont des grandes banques internationales qui ont eu aussi les doigts mouillés dans la crise des subprimes, puisqu'ils en avaient aussi dans leurs comptes. Okay ? L'économie en prend un coup, augmentation du chômage, baisse de la croissance, voire même à un certain trimestre, une croissance, ils avaient dit croissance négative. Pas évidemment, soit c'est de la croissance, soit c'est de la décroissance, ou de la récession, voilà. Et la croissance négative n'existe pas. Vous avez quand même inventé le terme à l'époque, hein, c'est quand même des champions, rappelez-vous, sur les mots. Par contre, le système des retraites et les retraités n'ont pas trop souffert de cette crise financière. On a été le pays européen qui a le mieux résisté. Pourquoi ? Parce que notre système par répartition se base sur combien vous avez de trimestres, combien vous avez gagné dans votre vie, donc ça n'a pas eu d'impact. Les paramètres de base n'ont pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la proportion qu'on a allouée du PIB aux retraites. Forcément, pendant la crise financière, vous avez moins de... Le gâteau est moins gros, et comme vous les retraités, vous les payez toujours de la même manière, ça augmente la proportion. Mais ça, ils diront, non, voilà, plus jamais. Et comme, avec leur retraite par point, ils ne veulent pas se retrouver dans ce cas de figure, la prochaine fois qu'il y a une crise financière, et si vous êtes dans le système par point, et que vous prenez votre retraite la mauvaise année, les années de crise, on mettra la valeur du point au niveau de ce qu'on veut consacrer du PIB, 14%, et vous retrouverez des retraites diminuées. Vous voyez un peu le pourquoi systémique, paramétrique, etc. On fera un échange après, je vais essayer de dérouler le propos complet d'un seul tenant. Bon, comment ça se passe concrètement leur machin? On va rentrer un peu dans le détail des points. Moi, je dis souvent que c'est leur truc, c'est de la poudre de perlimpinpin, parce que franchement, on ne s'y retrouve pas. Ils vous attribuent des points, ok? Alors, vous ne cotisez plus des trimestres, vous cotisez des points. Ils vont mettre en place une valeur d'achat du point, d'acquisition du point, qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Okay. Puisque, je vous rappelle que dans le texte de loi, il y a 29 ordonnances. Donc c'est un texte, et on a dit c'est un texte à trous, les gens ne croient pas. Si, je vous jure, ils disent la valeur du point sera de 3 petits points, et définie par ordonnance. Okay. La valeur de conversion du point, on ne la connaît pas. Et il y a un troisième paramètre, ils ne font pas trop état parce que ça ne fait pas bien, c'est le coefficient d'ajustement. C'est l'article 10. De la proposition de loi, du projet de loi, pardon, du gouvernement.
qu'est-ce que c'est que ce bazar de machin d'ajustement? Les deux premiers critères, valeur d'acquisition du point et valeur de transformation du point, pour avoir le montant de la retraite, et aussi valeur de la retraite dans la continuité de ce truc-là, quand vous êtes, une fois que vous êtes parti à la retraite, ils ont mis dans la loi organique que ça ne pouvait pas diminuer. C'est vrai, ils l'ont mis dans la loi. Ça pouvait au pire stagner, et donc être identique. Et que la valeur de conversion, ou quand vous êtes déjà parti à la retraite, le montant de votre retraite, ne peut pas être inférieur à l'inflation. C'est quand même un peu bizarre parce qu'ils mettent ça dans leur loi et je vous rappelle que là, depuis un an, ils ont décidé de désindexer la hausse des retraites de l'inflation et que ça ne sera que de 0,3% pour l'année 2020. Hein, je vous rappelle ça au passage, juste pour qu'on ait bien les choses en tête. Il n'y a pas besoin d'attendre la réforme pourrie pour voir la baisse des pensions. Hein, ils le font déjà. Pourquoi ils peuvent se permettre de dire ça tout en disant qu'il n'y aura que 14% du PIB? Parce que si vous suivez leur raisonnement, valeur du point ne pourra pas baisser, valeur de transformation du point, le coefficient de transformation ne pourra pas baisser non plus, il sera indexé sur l'inflation, on devrait être un peu rassuré. À la limite, après la question c'est est-ce que j'ai réussi à avoir assez de points pendant ma carrière ou pas, hein? Et puis le gâteau en fait il devrait grossir chaque année en réalité, vu qu'il y aura de plus en plus de retraités. Comment ils font pour résoudre cette équation? Eh bien, c'est dans le fameux article 10, le coefficient d'ajustement. Parce que ça, ils n'ont pas dit qu'il y avait une règle d'or du coefficient d'ajustement qui ne pourrait pas baisser. D'accord ? Le coefficient d'ajustement, en réalité, c'est un coefficient qui s'appliquera au nombre d'années que vous avez cotisé. Et donc, chaque année, le conseil machin chose d'orientation des retraites, là, le super conseil d'administration, pourra dire l'âge à partir de laquelle vous aurez la décote ou la surcote. Vous appelez ce qu'on appelle l'âge pivot ou âge d'équilibre, enfin vous avez plein de termes, on ne sait plus comment on parle, mais c'est ça l'idée. Et donc si un jour il n'y a plus assez de pognon pour arriver à 14% du PIB et qu'il y a trop de gens qui partent à la retraite, ils diront bah, l'âge à partir de laquelle on fait la décote, ce sera plutôt 63 ans. Et s'il y a beaucoup de pognon à se partager, ils diront bah, la décote, ce sera à partir de 65-66 ans. Ils vont du coup moduler cet âge d'équilibre pour faire en sorte qu'à la fin, il y ait toujours 14% du PIB. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que ce n'est pas un système universel, puisqu'il y aura un système de retraite par génération. Puisque ça s'appliquera par votre tranche d'âge. Chaque année, vous êtes entre telle année, et bien pour vous, le bonus ou le malus en fonction de l'année à laquelle vous partez, il sera à 63 ans ou à 65 ans, il pourra augmenter ou diminuer en fonction de la conjoncture économique. C'est pour ça que les Belges, nos amis belges, quand ils se sont mobilisés, vous savez qu'ils se sont vachement mobilisés contre la retraite à points, ils avaient appelé ça la retraite tombola. Puisqu'en fait, vous saurez le moment où vous allez prendre votre retraite, combien vous avez de retraite. Puisque les paramètres sont tellement fluctuants et peuvent fluctuer d'une année à l'autre que. J'en sais rien combien vous aurez de retraite. Alors du coup, ils ont fait une étude d'impact sur la base des critères d'aujourd'hui, en appliquant leur système par points, comme si tout le reste du monde qui nous entoure ne bougeait pas. Et donc ils ont dit, bah, par exemple, ils ont dit que l'âge d'équilibre, c'est 65 ans, dans leurs études d'impact, parce qu'aujourd'hui c'est 65 ans. On n'en sait rien si dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce sera 65 ans. D'ailleurs, ce sera peut-être 64, ce sera peut-être 66. Enfin, on n'en sait rien. En plus, bon, la petite anecdote, vous avez peut-être entendu beaucoup ma collègue Caroline Fiat vous parler de Marie. J'espère que vous avez imprimé Marie. Qui est infirmière et qui gagne, selon leur étude d'impact, 2500 euros par mois. Alors, du coup, toutes les infirmières du pays se sont dit ouais, on va être augmenté 2500 euros par mois, ça va être génial. Alors ils ont dit, ouais, non, mais en fait, c'est pas les infirmières du public, c'est les libérales. Mais même les libérales, souvent, c'est 2500 avant d'avoir payé les charges. C'est pas exactement... Et puis 2500, c'est pas tout le long de la carrière. À la limite, on peut imaginer qu'en fin de carrière, on arrive à mieux s'en sortir, etc. Mais là, dans leur exemple, c'est 2500 pendant toute la carrière. Alors, ça vous donne un peu l'idée du trucage et du bidonnage de leur étude d'impact. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre le curseur extrêmement haut de la bagarre à l'Assemblée nationale et dans le pays. Non, mais écoutez, moi, je veux bien qu'on discute d'un système de retraite. Donc, on ne connaît pas la valeur du point. Votre machin de coefficient d'ajustement, ça ressemble quand même à de l'arnaque. Vous nous expliquez... Ah oui, aussi, j'ai oublié, pardon.
que pour le coefficient de conversion, il sera indexé et aligné. Au départ, c'était le salaire moyen par tête, qui est un truc qui existe. Et ils ont décidé de le changer parce qu'ils se sont dit que les salaires prennent en compte que les salaires par rapport au PIB, à l'inflation. Il manquait un élément, donc ils ont inventé un nouveau truc qui s'appelle le revenu moyen par tête. Ok ? Et vous avez peut-être vu passer un tract de l'intersyndicale de l'INSEE qui a dit « Oh, hey, oh hey, les gars, c'est de quoi vous parlez en fait ?» Parce que nous, cet indicateur, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais calculé. Et vous vous permettez de dire aux gens que si, c'est un super indicateur parce que ça leur garantit que leur retraite, tous les ans, elle va augmenter. Et ça a été comme ça tous les jours pendant la commission spéciale. Pourtant, on est arrivé à l'article 12, 13, je crois, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Mais ça nous a bien suffi pour se rendre compte qu'à chaque fois qu'on pose des questions concrètes, qu'on prend un cas de figure, il n'y a pas de réponse. Et si vous avez suivi un peu les débats dans l'hémicycle, au moins aujourd'hui et hier, avant-hier c'était un peu plus chaotique, mais en tout cas aujourd'hui et hier, il y a un certain nombre de questions précises avec des cas de figure qui ont été posées par différents groupes dans l'hémicycle, pas que le nôtre, et à chaque fois le ministre dit « oui, mais ça dépend en fait... la personne dont vous parlez, est-ce qu'elle est rentrée ? Alors vous pourrez parler de quelqu'un qui a la SNCF, mais elle a commencé à travailler quand la SNCF ? Parce qu'en fonction de quand elle a commencé à travailler, bah, ma réponse sera un peu différente. » Oui, ils ne savent pas répondre. Ils vous donnent des cas types, et même leurs cas types sont truqués, je vous l'ai expliqué, et quand vous prenez des cas concrets de quelqu'un, ils ne savent pas vous l'expliquer. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de simulateur en tant que tel. Ils ne pouvaient pas faire de simulateur. Leur machin, personne n'y comprend rien, eux-mêmes n'y comprennent rien. Et ils ont trouvé dans leur propre calcul que si on appliquait le système par points, dans l'étude d'impact, là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, le truc qui fait 1000 pages, qu'en fait, si on faisait une projection, on consacrerait non plus 13,8 milliards du PIB, mais 12,9. Donc en plus, ils feraient une économie avec leur machin, par rapport à la situation actuelle. Bon, ajoutez à ça... qui promettent que, vous inquiétez pas, le minimum ce sera 1000 euros. Vous avez entendu ce chiffre de 1000 euros ? Vous avez parlé, hein ? J'ai entendu, j'ai dit, non mais attendez là, au minimum vous aurez 1000 euros. Alors, bon. Le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il a 900. Oh, oui, ouais. et à quelque chose près. Hein. Donc c'est ça, sachant que c'est le seuil de pauvreté d'aujourd'hui. Okay. Les 1000 euros, c'est pour 2023, si je ne vous dis pas de bêtises, dans le texte. Donc d'ici 2023, il est possible que 1000 euros soient en dessous du seuil de pauvreté, ce qui va progresser au niveau global. Progresse. Une petite arnaque comme ça au passage, hein, parce que vous voyez, on peut s'amuser avec les chiffres. Et surtout, c'est 1000 euros pour une carrière complète. C'est pas 1000 euros si vous avez eu des trous dans votre carrière, dans votre machin. 1000 euros pour une carrière complète. Nous, ce qu'on met dans le contre-projet, c'est pas de retraite complète, pour une carrière complète, pas de retraite en dessous du SMIC. C'est juste le minimum. Même en disant ça, c'est pas révolutionnaire comme truc. Ça paraît plus que la base, quoi. Si on dit que le SMIC, c'est le minimum pour vivre correctement quand on a travaillé, quand on travaille, c'est aussi le minimum pour vivre quand on a travaillé toute sa vie et qu'on a contribué à l'effort. Bon. Donc... et puis en plus, la SEM, ils vous disent, ah, mais regardez, en plus pour les agriculteurs, ça va être super. Parce qu'ils sont particulièrement vulnérables, mal lotis, oui, par le système actuel. Alors c'est vrai que les agriculteurs, ils n'ont pas voulu venir dans le régime général, sortir de la guerre, ils ont voulu faire leur truc entre eux. Peut-être que c'était intéressant à ce moment-là, aujourd'hui ça n'est plus vraiment. Mais pourquoi ça n'est plus vraiment ? C'est même pas parce qu'ils ont fait leur système dans leur coin. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas des prix rémunérateurs quand les agriculteurs, oui, ils font leur boulot. Et là, je vous renvoie à une autre loi qu'ils ont votée pendant cette mandature, hein, EGalim, égalité, alimentation, machin, je sais pas quoi, là, où ils vous ont expliqué que ça y est, tous les problèmes étaient réglés, que maintenant les agriculteurs étaient bien payés dans ce pays. C'est pas le cas, hein. On sait tous que c'est pas le cas. Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre de prix plancher. Ils ont été partisans d'un système très néolibéral. Oui, ils ont maintenu le système libéral. Ils ont poussé à ce qu'il y ait des accords plus forts. Par type de production, avec les grossistes et la grande distribution. Or, tout ça est pipoté, en réalité. Je fais juste une petite digression faire un coucou et rendre hommage à un ami qui s'appelle Maxime Renaï,
qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps. À chaque fois, je me plante sur le titre, mais ça doit être quelque chose comme Où va l'argent Où va l'argent, ça doit être ça. Qui était en fait, il travaillait à Jersey, dans la paradis fiscal, dans les cabinets avocats conseils, donc il s'occupait de maquiller les comptes d'entreprise. Ouais. Il a fait ça aussi au Luxembourg, et il se trouve que par ailleurs, il était informateur pour la DGSE, donc il faisait fuiter des informations. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que quand il faisait fuiter des informations sur des multinationales françaises, des entreprises françaises, la DGSE s'en fichait un peu. Ce qui l'intéressait, c'est surtout les groupes étrangers. Alors, ça lui a posé quelques cas de conscience. Il a arrêté, il a sorti un livre, il a expliqué tout ça dedans. Je vous invite à lire. Et aujourd'hui, il gère une association étrangère qui s'appelle Lanceur d'Alerte. Vous trouvez leur site internet, c'est lanceurdalerte.org. Et ils ont fait quelques actions en justice, en lien avec la Confédération Paysanne, en lien avec L214, contre Bigard et Lactalis, pour les obliger à publier leurs comptes. Parce que ces gens-là, ça faisait des années, au mépris de la loi, qu'ils ne publiaient pas leurs comptes. Et personne ne leur demandait rien. L'État français, rien du tout, soit les services de Bercy, l'URSSAF, les présidents de tribunaux de commerce, dont c'est la responsabilité quand les comptes ne sont pas publiés, ne leur ont jamais rien demandé. Normalement, on doit les divulguer. Hein. Parce que nous, les artisans, on l'a avec les tribunaux de commerce. On est obligé de les publier, nous. C'est une obligation, et quand vous ne les publiez pas, on peut vous séquestrer 2% de votre chiffre d'affaires journalier jusqu'à ce que vous les publiez. Mais personne n'avait jamais tenté le truc. Alors, vous avez peut-être vu d'ailleurs mon collègue François Ruffin, avec un autre député de je crois que c'est du MoDem, Ramos. Qui avait entendu dans la commission des affaires économiques Bigard, le fils Bigard, qui s'était foutu de la gueule des parlementaires apparemment en plus, sur cet aspect-là. Il leur avait rappelé ça, ils avaient fait un courrier, lettre recommandée, lui demandant de publier ses comptes, sinon il faudrait séquestrer les 2%. Mais bon, le courrier, ça n'avait pas suffi. Bon, Maxime, il est allé jusqu'au bout de la démarche, il est allé en justice, et ils ont publié leurs comptes. Ils ont publié leurs comptes. Et il y a actuellement une mobilisation des agriculteurs, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'en publiant les comptes, ils se sont rendus compte que pendant que le prix de ce qu'ils vendaient à Bigard, leur augmentait de 2-3 centimes par-ci, par-là, pendant ce temps-là, le taux de marge, lui, de chez Bigard, et le nombre de dividendes qui étaient versés, ça a explosé. Et parce que si vous avez beau faire une loi pour dire qu'il faut la fixation du prix juste, entre tout le monde, pour que tout le monde ait sa part du gâteau, et bien là, il a fait œuvre utile pour que tout le monde ait bien sa part du gâteau. Je referme la parenthèse de tout ça pour vous dire que, évidemment, la retraite, elle est, quels que soient les critères que vous mettez, elle est le reflet de ce que vous avez gagné dans votre vie. Ça paraît à peu près logique, de ce que vous avez cotisé. Bon. Donc, plus vous cotisez, plus vous êtes sûr d'avoir une retraite à peu près correcte à la fin. C'est pourquoi, par exemple, pour les profs, vous avez Jean-Michel Blanquer qui a dit « oui, notre système est un peu pourri pour les profs. C'est pourquoi je vais les augmenter. » Sur 10 ans, de quelques clopinettes. Alors, il y a une question au gouvernement qui lui a été posée, je crois, la semaine dernière. Une députée socialiste, si je ne dis pas de bêtises, qui dit, voilà, prévoyez d'augmenter les profs de 14,50 € par mois. C'est toujours ça de prix, d'accord, mais... c'est pas ça qui vont faire qu'ils vous auront une meilleure retraite, quoi. Ou alors, on n'a pas bien vu les calculs, mais il y a un moment, il y a un problème. Alors là, ils commencent à expliquer qu'en fait, non, mais c'est pas les bons chiffres. J'ai dit, c'est pas les bons chiffres. De toute façon, jamais dire quels étaient les bons chiffres, on ne sait toujours pas. Mais c'est pas les bons chiffres. Et que ce sera peut-être plus, moi, enfin, n'en sais rien, mais qu'avec ce qu'il va proposer, à côté. Vous regardez, question au gouvernement, la semaine dernière, je cherchais Jean-Michel Blanquer. Bon, on est 37e à l'heure actuelle. C'est pas de 14,50 € qu'on va retrouver sur le top 10. Donc, c'est des arnaques à chaque fois. Des éléments de langage, de la communication. Il n'y a rien derrière. C'est pourquoi les gens ont raison de se mobiliser et de craindre pour leur retraite. Même sans rentrer dans le détail du fonctionnement, même s'ils avaient fait une bonne étude d'impact, etc., là, quand même, on peut au moins se dire que c'est des amateurs, quoi. C'est n'importe quoi. Dites-vous bien que d'avoir un avis du Conseil d'État sur une réforme aussi grosse,
et grosse par son ampleur, parce que je vous rappelle qu'on remet en cause un système qui est là depuis 1945 quand même, hein, et qui a plutôt fait ses preuves pour le coup. Ils font ça en procédure accélérée en disant allez, on va faire ça en 2-3 fêtes, c'est bon, si vous emmerdez, laissez-nous réformer tranquillement. Le Conseil d'État pointe des risques d'inconstitutionnalité majeurs. Pour que le Conseil d'État dise ça, je vous rappelle que c'est pas la France insoumise, le Conseil d'État. Hein, c'est, on est loin, là. Si eux, ils disent ça, c'est que vraiment, là, ça, là, ils ont déconné. Ils ont vraiment déconné. Non, mais il y a une chose que vous oubliez aussi, c'est que il y a l'espérance de... Oui, j'allais y venir. Leur réforme, je vous expliquais juste les paramètres, les critères, etc. Après, quand on rentre dans le détail, sur leurs histoires, parce qu'ils vous disent « Ouais, mais attendez, on va prendre en compte la pénibilité. » Alors, je ne sais pas si c'est pour les députés d'En Marche qui vont devoir subir nos amendements pendant des jours et des jours. Ça, c'est vrai, c'est pénible. On va peut-être leur donner des points gratuits. Mais jusqu'à présent, ils ont lâché surtout sur des professions où ils n'avaient pas le choix. Les policiers, les gendarmes, les premiers. On comprend pourquoi dans la séquence. Après un an et demi de gilets jaunes, ils ont déjà bien morflé. Je parle le pouvoir. Ici, en plus, oui, les gilets jaunes aussi ont bien morflé. On pourra, si vous voulez, après parler des questions maintien de l'ordre et violence policière. C'est un des sujets que je suis particulièrement aussi. Ils se sont dit, bon, les policiers et les gendarmes, il ne faut pas qu'on se les mette à dos. Parce que je vous mets un billet que le jour où il y a une compagnie de CRS ou de gendarmerie mobile qui pose les casques et les billets, c'est terminé pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout renvoyer leur réforme, vous nous démissionner, il n'y a pas de problème. C'est terminé pour eux. Justement, il y a une compagnie de CRS qui a fait ça, mais justement, pour arrêter leur régime spécial. Oui, alors ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas posé les casques et boucliers, ils ont posé des arrêts maladie conjoints. Mais oui, c'est un peu l'idée. C'est pour et ils ont obtenu les garanties sur leur régime de retraite. Alors en fait, ils n'ont pas vraiment obtenu de garanties, moi je continuerai à flipper parce que je suis. Enfin bon, bref, ils font comme ils veulent, enfin non, plutôt ils ne font pas comme ils veulent, mais ce serait bien qu'en tout cas, ils comprennent qu'ils vont tous être mangés à la même sauce. Là, les derniers en date d'avoir obtenu un régime à peu près, enfin, pas trop défavorable par rapport aux autres, je peux le dire comme ça, c'est la Banque de France. Vous comprenez aussi pourquoi. Oui, c'est essentiel. Non, mais c'est là où on se rappelle qu'il y a quand même quelques secteurs qui sont un peu clés. Hein. Même pour la RATP et la SNCF, ils se sont empressés de dire à tous ceux qui sont là en ce moment en train de bosser, non mais notre réforme ne s'appliquera pas pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Pareil pour les rats de l'opéra, etc., etc. Voilà comment ils ont cherché à désamorcer. Bon. Mais ce qui est scandaleux, c'est que pour tous les autres, c'est-à-dire la masse des gens dans ce pays, ça va être encore plus injuste que pour ceux qui ont quand même réussi à négocier. Notamment, vous avez vu la lutte des égoutiers, qui est un peu emblématique, puisqu'ils ont une espérance de vie... même pas une espérance de vie en bonne santé, une espérance de vie tout court, soit de 12 ans inférieure, 17 ans inférieure à la moyenne. Bon, ben, alors Adrien, tout à l'heure, il a dit dans l'hémicycle, parce qu'on essaie de trouver un peu des slogans, des phrases qui percutent un peu, il a dit oui, avec vous, c'est plus l'âge pivot, c'est l'âge caveau. Mais c'est ça, il vous préfère mort que vivant, il faut quand même le dire, quoi. Ben vous coûtez moins cher, mort que vivant. Voilà. Quand même dingue. Il y a des tas de professions où vous êtes brisé hyper tôt et vous êtes l'espérance de vie en bonne santé, où l'espérance de vie tout court est déjà plus faible. L'ouvrier, il a déjà une espérance de vie plus faible que le cadre tout court et une espérance de vie en bonne santé plus faible aussi que le cadre. Et alors, pareil, je vous prends un autre exemple. Parce que du coup, dans leur projection... l'aide-soignante, hein, parce qu'elle n'a pas un métier trop compliqué, elle va bosser jusqu'à 65-66 ans. Alors là, je vais vous faire une petite déclaration de Caroline Fiat, ma collègue députée, qui dit c'est quand même bizarre parce que pour rentrer en EHPAD, vous pouvez rentrer, vous, en EHPAD à partir de 60 ans. Ok, vous voyez où je veux en venir. Les cadres seront plus âgés. Donc, les aides-soignantes seront plus âgées que les gens qui vont s'occuper. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'ils vont faire de la demi-pension, quoi. C'est-à-dire que je travaille le jour dans l'EHPAD et j'ai une chambre la nuit pour rester sur place. Quoi. On peut trouver des synergies, un truc comme ça, qui, je ne sais
chacun sa peau. Alors après, avec Caroline, on se dit, bah non, en plus, non, parce que l'EHPAD, ça coûte trop cher, l'aide soignante, elle n'aura pas les moyens de se payer. Au point de vue EHPAD. On préfère en rire que. Mais c'est pas drôle, en fait, en vrai. Les EHPAD, c'est quand même pathétique. Une petite parenthèse pour les EHPAD. Sur un bateau, ça coûte moins cher. Les EHPAD, parce que... Oui, attendez, après. Donc, vous prenez par n'importe quel bout, ce machin est une abomination. Parce que si on n'était pas en train de parler de la vie des gens, ça va, on pourrait boire un coup, tout ça, et puis se dire, ouais, c'est con, leur réforme, c'est pas très grave. Non, là, ça va toucher 100% des Français et des Françaises de ce pays. Et puis, il ne faut pas se dire que ce sera que pour ma génération. Parce que leurs histoires d'âge d'équilibre, machin, ça rentre en ligne de compte dès l'année prochaine, dès qu'ils votent. Après, la mise en place des points, ce sera progressif. Mais les critères qu'ils sont en train de mettre sur pied, ça va s'appliquer tout de suite. Donc, dites-vous bien que même si la retraite, c'est dans pas longtemps pour vous, si vous dites... vous allez vous faire manger aussi votre retraite. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas attendu, puisque dès cette année, ils ont dit que l'augmentation de la retraite, c'est que 0,3%. À partir du moment où vous avez une augmentation de quelque chose qui est inférieure à l'inflation, qui en général est entre 1 et 2% en ce moment, plus proche de 1 que de 2%, vous perdez ce qu'ils appellent du pouvoir d'achat. En tout cas, la monnaie, elle vaut moins. Avec la même quantité d'argent, vous pouvez en théorie acheter moins de choses. C'est pour ce que vous achetez, c'est toujours pareil, mais en théorie, vous pouvez acheter globalement moins de choses. Surtout qu'en plus, par des effets de vase communicants, vous avez vu comment ils vous expliquent que vous avez retrouvé du salaire net, parce qu'ils vous ont diminué les cotisations sociales, et qu'en même temps, comme ils ont diminué les cotisations sociales qui vont pour la retraite, d'où l'augmentation seulement de 0,3%, et les cotisations sociales qui vont aussi pour l'assurance maladie, ils vous déremboursent les médicaments, et puis ils vous disent qu'ils vous prennent en charge les yeux et les dents, mais qu'en fait, en vrai... ce sera avec votre complémentaire, enfin avec votre mutuelle, qui, elle, a augmenté ses tarifs. Donc l'argent qu'on vous a donné d'un côté, vous devez aussitôt le redonner de l'autre, dans un circuit qui, lui, n'est plus le circuit public, évidemment, mais passe par la case privée, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui se fassent du pognon au passage. Et avec ça, leur logique globale, parce que je vais terminer là-dessus, les retraites, c'est 300 milliards d'euros par an. Alors nous, on a dit assez rapidement, c'est quand même bizarre que le gouvernement ait eu des rendez-vous réguliers avec BlackRock. Pas les Black Blocs, hein, oui. BlackRock. Oui. Donc, ils ont dit, ah non, mais on voit BlackRock, mais parce que c'est comme d'hab, quoi. C'est comme ça. Puis en plus, le type qui gère BlackRock en France, on le connaît bien, c'est celui qui a détruit Gaz de France, qui l'a transformé en Suez, puis en Engie, qui a pris le pognon au passage. Qui a viré les gens au passage. On le connaît parfaitement bien, celui-là. Donc non, c'est normal qu'on se rencontre, qu'on échange. C'est un ancien haut fonctionnaire, un inspecteur des finances, donc il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, on a quand même dit, non, mais attendez, il y a un problème, c'est que BlackRock, ils font leur beurre sur les retraites par capitalisation, les produits d'épargne retraite par capitalisation. Alors, ils ont dit, oh, mais qu'est-ce que vous racontez, la France insoumise, le système par points est un système par répartition, il n'a jamais été question de capitalisation. Ah, mais on n'a jamais dit le contraire. Le système par points, dites-vous bien, oui, le système par points est un système par répartition. Qu'est-ce que c'est le système par répartition? C'est que les actifs d'aujourd'hui payent les retraités d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. On l'a expliqué, l'argent, il ne voyage pas dans le temps. Hein, les points que vous allez acheter aujourd'hui, vous ne pouvez pas voyager dans le temps, vous les récupérez plus tard. Non, c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. Et on a juste dit une chose, comme vous allez appauvrir les gens, je pense qu'on en a fait la démonstration là ce soir ensemble, parce que comme vous allez être en mauvaise santé, vous allez voir partir plus tôt avec la décote, et donc c'est 5% par an, hein, donc ça chute vite. Hein. Mais quand vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus, donc vous partez. Voilà. Vous n'êtes pas comme les énarques qui peuvent se dire, oh, bon, je vais faire 4-5 ans de plus dans une commission, machin chose. Pour m'occuper. Donc. Et si bête, elle dit qu'on dirait plus longtemps. Non, mais si bête. Non, je ne vais pas faire de jeu de mots. Parce que c'est... Enfin, pas si bête. Pas si bête. On leur dit, BlackRock, ils veulent faire de la capitalisation. Pourquoi? Parce que comme ils vont appauvrir les gens ne sont quand même pas fous, ils se disent, moi, je ne veux pas partir. Alors, souvent, on va se le dire, pas tout de suite, quand on aura 25 ans, 30 ans, ce n'est pas trop la préoccupation première. Mais arrivé 35-40, on commence à se dire, bon, quand même pas le travail, pas forcément la santé, même si on aime bien son travail, on se dit qu'un jour, on aurait bien faire autre chose. Quoi. Voilà.
Les autres disent, ah oui, alors attendez, combien je vais avoir de retraite? De toute façon, même si vous ne vous posez pas la question, votre banquier ou votre assureur vous posera la question. Au fait, je voudrais vous dire, pour votre retraite, vous y avez pensé? Non, parce qu'on a des produits d'épargne qui sont super cool. Vous mettez, allez, 10-15 euros par mois, et puis vous les retrouverez à la fin, voire peut-être même un peu plus si la conjoncture est bonne, ne vous inquiétez pas. Et donc, bon, c'est moi là, je vais faire appel à mon collègue François Ruffin qui a expliqué comment AXA commençait déjà à faire de la publicité pour ses produits d'épargne retraite. Je reviens à BlackRock. On nous a dit, le système, ce n'est pas de la capitalisation, vous confondez tout avec BlackRock. Non, on va appauvrir, donc les gens vont se tourner vers BlackRock. On nous a dit, mais attendez, France Insoumise, là, vous agitez des trucs comme ça, BlackRock, pour l'instant, on sait que vous n'aimez pas les gens qui réussissent. Les entreprises qui réussissent dans le pays, vous ne les aimez pas. C'est juste qu'ils payent leurs impôts comme tout le monde, voilà, ce qui n'est pas le cas en fait en réalité. Hein. Ils nous ont dit, mais BlackRock ne gère pas, ne propose pas de retraite. Il n'y a pas, des bureaux BlackRock là à Charleville qui vous proposent des retraites par capitalisation. C'est des gros malins parce qu'en fait, non, oui, effectivement, BlackRock ne propose pas de produits d'épargne retraite. BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs. Donc, BlackRock a des clients qui ont du pognon et qui cherchent à en faire plus. Je résume en gros, c'est plutôt ça l'idée. Okay. Et parmi ces clients, il y a essentiellement des fonds de pension qui, eux, proposent des produits de retraite par capitalisation. Bon, en gros, BlackRock, c'est un peu... c'est comme, vous savez, il y a des fédérations d'associations qui se regroupent, plusieurs associations qui font une fédération, qui ensuite, la fédération va faire du lobbying, du plaidoyer, ou vous appelez ça comme vous voulez, qui va faire la promotion de ses membres. Ben, c'est pareil pour BlackRock, sauf que ses membres, c'est des fonds de pension. Et puis, ils se sont dit, oui, qu'est-ce que vous racontez? La France, la retraite par capitalisation, c'est entre 30 et 40 milliards de marché. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas là que BlackRock va vouloir faire son beurre. Ce n'est que ça par rapport aux 300 milliards de régimes par répartition. Ben oui, mais c'est bien ça le problème. C'est que ce n'est que 30 à 40 milliards, le marché français. C'est quand même dommage. Il y a 300 milliards à côté et nous, on peut se faire du beurre que sur 30 à 40. Maintenez à 300 milliards, le PIB lui va augmenter, les gens vont s'appauvrir et puis on va pouvoir augmenter nous 40, 45, 50, 60, etc. Et tranquillement passer à la capitalisation et se faire du pognon, là on ne pouvait pas se faire. Les économistes disent, il y en a un qui a fait des calculs savants, il a dit le rendement de la sécurité sociale et du régime de retraite, donc par répartition, n'a été ces dernières années qu'en moyenne de 1,9%. Et le pognon, combien il refait de pognon? En plus, c'est des projections à la con, c'est en gros, ça suit à peu près l'inflation, hein, enfin, le calcul le plus savant du monde. Donc, il dit, si cet argent-là avait été dans un régime uniquement par capitalisation, on aurait pu en tirer entre 6 et 12% de rendement. J'ai plus le nom de l'économie, je suis désolé, j'ai perdu, j'ai plus en mémoire. Mais en cherchant sur Internet, vous pourrez le retrouver Piketty, des fois, non? Assez facilement. Et c'est juste ce qu'il dit, c'est vrai. Ils auraient pu faire du 6 à 12%. Mais qu'est-ce que c'est un fonds de pension? Si on creuse, si on gratte, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez tous vu Merci Patron? Le film de François Ruffin? Bah dites-vous bien que c'est un fonds de pension qui achète la boîte au début. Ok? À un moment, avant de la fermer. Parce qu'ils ont fait du 6 à 12%. Ouais. Fonds de pension pour des retraités canadiens. Souvenez-vous que dans le film, il va au Canada, c'est des profs en plus qui sont sur ce régime-là. Et donc, il va voir les profs, il dit, vous savez que votre pognon par capitalisation, ce qu'ils font, votre assurance, là, qui vous paye votre retraite, vous savez ce qu'ils font avec votre pognon pour vous assurer votre retraite tous les ans? Ben, ils vont une boîte à un moment, là, ils mettent tout le monde à la porte comme des malpropres, ils font un plan, un PSE, un plan de... Non, aussi un plan de sauvegarde de l'emploi, hein, que vous savez qu'ils sauvegardent l'emploi, c'est bien connu. Et donc, ils rendent les murs, les brevets, enfin, ils prennent tout, ils désossent tout, et puis après, hop, ils ont fait 6 à 12%, et puis ils prennent l'entreprise suivante. C'est ça, les fonds de pension. Donc, moi, c'est pas ça que je veux. C'est une raison de plus pour laquelle il faut maintenir un système par répartition et ne pas leur laisser un centimètre de plus. Parce qu'ils détruisent l'économie, nos vies, à force de vouloir faire du pognon, ils finissent par détruire nos vies, tout simplement, parce que c'est sur nos vies qu'ils font du pognon. Donc, voilà pourquoi on s'en est pris à BlackRock.
Le système par capitalisation. Je vous donne tout l'argumentaire, parce que c'est comme ça, quand vous serez en repas de famille, s'il y en a et vous dit « Oui, tu parles de capitalisation, ça n'a rien à voir, c'est la répartition », bon, vous aurez quoi répliquer, et vous direz « Non, 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 c'est bien, l'objectif, c'est bien la capitalisation ». Et d'ailleurs, c'était prévu dans l'article 65 du projet de loi. Il y avait un article, non, il y est toujours pour le coup, qui prévoit d'inciter un produit en particulier, qui est les plans d'épargne d'entreprise, qui ont été prévus par la loi Pacte, qui est un plan d'épargne d'entreprise, c'est un système de retraite par capitalisation interne à l'entreprise. Ce n'est pas obligatoire, facultatif, mais qui peut vous permettre de cotiser au sein de l'entreprise. C'est un système par capitalisation, assis sur une convention avec un assureur, une banque, etc. Okay, ça, c'était déjà mis dans la loi Pacte. L'article 65 le favorise. Alors, on s'est dit, ouais... foutez de notre gueule ou parce que vous nous dites que ça n'a rien à voir, c'est quand même un peu, ça a l'air un peu évident, vous l'avez mis dans la loi là. Alors du coup ils se sont dit, ah oui, attendez, on va faire un amendement de suppression de l'article 65, de toute façon on a fait des ordonnances, on saura bien où le caser quelque part pour que ça passe sans que vous y voyez trop clair. Parce qu'en plus c'est plan d'épargne retraite par capitalisation, pour que les produits soient intéressants, vous savez au début quand on veut casser le marché, on fait les produits plus intéressants pour pouvoir s'installer sur le marché, et que les gens ensuite deviennent dépendants d'un nouveau produit. C'est comme ça qu'ils ont fait pour le marché de l'électricité, en obligeant EDF à augmenter ses prix par rapport au coût de production réel. Okay, ça c'est la Commission européenne qui a dit que concurrence déloyale, vous comprenez. Bon. Donc du coup, ces plans d'épargne retraite dans la loi PAC sont prévus d'être défiscalisés à 70%. Donc en plus, c'est vous, avec vos impôts, qui allez payer le fait qu'on puisse capitaliser dans les entreprises pour les fonds de pension. Et pas belle la vie ? Eh oui, on capitalise. Moi, j'aurais dû faire mec de droite, capitaliste. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa. Puis après, je me suis dit que c'était quand même un peu salaud, donc j'ai renoncé. Non, mais vous voyez la logique dans laquelle on s'inscrit. Quel que soit l'angle par lequel vous prenez ce machin, c'est une horreur. C'est pourquoi on a dit... On fait un contre-projet sur lequel les gens puissent s'appuyer, retraite à 60 ans, à taux plein. Eh bien oui, il faut prendre du pognon par contre. Il faut financer ce qu'on raconte. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas financer ce qu'on raconte. On pourrait même avoir un débat sur est-ce qu'il faut mettre à contribution le capital, enfin les profits, pour financer une augmentation des retraites. Ce que viennent de faire les Espagnols. Ils viennent de prendre la décision d'augmenter la retraite en taxant la finance et les banques, les produits financiers. Nous, on pense qu'il n'y a pas besoin. Qu'il n'y a pas besoin de taxer les produits financiers et la finance pour financer le système de retraite à 60 ans, parce qu'en fait, on est quand même attaché à ce qu'on appelle le paritarisme. En tout cas, le fait que les caisses de retraite, comme c'est du salaire, c'est des cotisations, soient gérées par les salariés. À partir du moment où vous mettez une autre source de financement, ça veut dire que vous donnez voix au chapitre pour décider à cette source de financement. Potentiellement l'État, en l'occurrence, puisque c'est lui par l'intermédiaire d'un impôt qui vient autour de la table. Donc on a dit, on ne veut pas mettre le doigt dans ce débat, pour l'instant, ce n'est pas notre sujet, on pense qu'il suffit juste d'augmenter les cotisations, c'est-à-dire d'augmenter les salaires en réalité dans le pays, notamment les bas salaires. Et qu'en plus on s'est dit que si on crée de l'emploi, ça fait des gens qui cotisent en plus. Et on vous a déjà expliqué aussi que si on payait les femmes au même montant que les hommes à salaire égal, oui, parce que ce n'est toujours pas le cas, quoi qu'on dise Marlène Schiappa, hein, voilà, et quoi qu'ils en disent avec leur logiciel géniaux, je vous rappelle qu'ils ont obligé les entreprises à installer un logiciel pour pouvoir voir s'il y avait des inégalités de salaire dans leur entreprise. On va peut-être embaucher les inspecteurs du travail, mais ça va peut-être plus vite, les inspectrices du travail. Oh, les algorithmes, ça marche ça, bien. Qu'on supprime des postes, voilà, parce que vous comprenez cela. Bon. Donc si on payait les femmes au même montant que les hommes, là, instantanément, il n'y a plus d'histoire de déficit. Bien en tête, terminé, plus de déficit, ça devient même excédentaire. Alors, on a fait des projections, ça vaut sur un court terme. À plus long terme, il y a quand même besoin d'augmenter un peu les cotisations salariales et patronales pour financer le régime des retraites. Et puis, pour aller jusqu'au bout, on a dit la retraite, c'est 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Alors, si vous avez suivi les batailles syndicales et l'histoire, si vous êtes plus âgé que moi, ce qui n'est pas trop compliqué, vous souvenez qu'à une époque, ça a été 37,5 années. Et là, vous pourriez dire, bon, Bernard Lissy, il est insoumis, mais pas très révolutionnaire, celui-là, il me propose quand même de trimer pendant 40 ans. Peut-être qu'il va m'expliquer que c'est parce qu'on vit plus longtemps, etc. Non, 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 non. Moi, je vous propose effectivement qu'on cotise 40 ans et qu'on prenne en compte, dans le calcul des 40 annuités, les années d'études.
par exemple, et des périodes de chômage, je ne sais plus comment on a mis ça, mais qu'en gros, des périodes où vous êtes en recherche d'emploi, ça puisse être intégré dans votre trimestre, et qu'en gros, vous pouvez trouver facilement, en ayant commencé à bosser à 20 ans, ou même à 23 ans, si vous étiez dans le supérieur de 18 à 23, ce qui est le cas de beaucoup de gens de cas, par exemple. Et s'il y a eu des temps partiels, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des temps partiels, on les prend en compte aussi. Oui, mais partiellement. Non, parce que de toute façon, je ne vais pas rentrer dans le détail du contre-projet, mais on fait en sorte que de toute façon, pas de retraite sous le seuil de pauvreté, il y a quand même le truc d'en bas, le filet de sécurité, le minimum syndical, pour une carrière complète, rien en dessous du SMIC, et après en augmentant les cotisations, en fait on vient renforcer le montant des retraites pour tout le monde dans ce pays. Et on vient garantir le fait que oui, on assume dans une cadre de solidarité nationale qu'il y ait tout un tas de métiers où on puisse partir plus tôt à la retraite en prenant en compte justement l'espérance de vie en bonne santé, en l'intégrant comme paramètre, réforme paramétrique, comme paramètre dans le mode de cotisation et le calcul de la pension. Sachant qu'en plus, à très court terme, il n'y a pas besoin de pognon. On vous parle du déficit là. Remarquez, certains qui ne s'y connaissent pas parlent de dette. Non, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. À qui on la doit la dette? Il n'y a pas de dette. Non, mais alors je ne veux pas parler de la dette de l'État, c'est une autre histoire. Mais là, il n'y a pas de dette, ok? Il y a un déficit, c'est-à-dire que vous avez plus de dépenses que de recettes à l'année N. Mais s'il vous reste des sous dans les caisses, il n'y a pas de dette, puisqu'il vous reste des sous dans les caisses. Donc vous comblez avec les sous qui vous restent dans les caisses. On a calculé les différentes caisses autonomes, régime général, le fonds de je ne sais plus comment ça s'appelle, qui avait été mis en place par Jospin, justement pour prévoir l'avenir, au cas où il y ait la pyramide des âges, blablabla. Il y a 150 milliards comme ça. Le déficit, pour l'instant, les projections, c'est qu'on aura un déficit potentiel, d'ici 2 à 3 ans, de 7 milliards. Sur la masse globale de 300 milliards. Quand vous remettez les chiffres ensemble, c'est tout de suite moins impressionnant que le type qui dit « Mais comment on va faire avec 7 milliards en moins? Vous les avez, vous, les 7 milliards ?» Bon, du coup, vous avez peur, vous dites « Ah, il faut que je travaille plus longtemps, c'est pas possible. » Bon, donc, remettre les choses dans leur contexte, c'est extrêmement important. Et on a calculé qu'une hausse des salaires de 1%, c'est énorme 1%, c'est 2,5 milliards en plus dans les caisses. À système égal. Je ne parle même pas si on augmentait le SMIC, ce qu'on fera. Je ne parle même pas si on augmentait les cotisations, ce qu'on fera. Je ne parle même pas de tout ça, quoi. Bon. Surtout qu'en plus, on a vu, alors, parce qu'ils vous disent, oui, mais si on augmente les salaires, on va tous mourir. Les entreprises vont être sous la forme, terminées, etc. Je vous rappelle, alors, ils n'ont pas augmenté les salaires, c'est vrai. N'empêche qu'avec les décisions qui ont été prises en décembre suite aux premières manifestations des Gilets jaunes, ils ont injecté 10 milliards dans le circuit. Bon, alors ils ont injecté 10 milliards avec notre argent, enfin votre argent, notre argent, enfin, par un tour de passe-passe, peu importe. Et en fait, en réalité, ça a permis de produire quasiment 0,7 points de PIB, rien que ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens avec les 10 milliards en question? Vous croyez qu'ils ont replacé en bourse ou ils ont fait des... Non, ils ne sont pas allés voir BlackRock. Hein. Ils n'ont pas ouvert un actif. Ils n'ont pas pris des crypto-monnaies ou je ne sais pas quoi. Non, ils ont dépensé l'argent. Donc ça a fait tourner l'économie réelle. Et ça pourrait permettre, si on augmentait un peu les salaires, de faire en sorte que peut-être des gens retournent chez le coiffeur, où il y a plus grand monde maintenant, chez le coiffeur. De retourner au bistrot du coin, où il y a de moins en moins de monde au bistrot du coin. Dépenses qu'on y boit aussi. Ça dépend ce qu'on y boit et puis les effets sur la santé. Qu'on y boit. Moi, je m'applique sur la filière brassicole de manière assez. Si vous suivez mes travaux, des choses que je dis particulièrement. Donc, je pense qu'on est capable de faire des produits de qualité. Mais pour faire des produits de qualité, il faut des prix rémunérateurs. Pour faire des prix rémunérateurs, il faut que les gens puissent se le payer. Donc, il faut les salaires qui vont avec, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de vertueux dans ce mode de fonctionnement. Et puis, il faudra qu'on rattrape les 80 à 100 milliards d'euros qui s'échappent un peu chaque année. Mais ça, j'en fais aussi mon affaire, si vous suivez aussi mes travaux, puisque j'ai pas mal bossé sur la délinquance économique et financière. Bon. Donc, ce système de retraite, on sait le financer. Donc, ceux qui vous disent « Ouais, mais vous êtes que dans la contestation, qu'est-ce que vous avez à proposer ?» Bon, ben, vous lisez non pas les 15 pages, mais les 38 pages, hein, ou vous le donnez à la personne, ou tu me saoules, tiens, prends ça, lis ça, et puis on en reparle quand tu reviens. Parce que les sources de financement, on les connaît. Enfin, je vous rappelle juste le PIB, parce que tout à l'heure, je parle du PIB, des 14%. Le PIB, c'est 2 300 milliards d'euros par an. Mmh.
Et quand on vous dit, oui, mais attendez, il va y avoir beaucoup de retraités, il n'y a plus beaucoup d'actifs. Il y a, pour un actif, il va y avoir 3 ou 4 retraités. Comment on va faire alors qu'au sortir de la guerre, c'était le contraire? Ben, c'est pas compliqué, on va faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on produit des richesses. Sauf que pour produire le même nombre de richesses qu'aujourd'hui, à l'époque, il fallait 3 ou 4 bonhommes. Aujourd'hui, il en suffit d'un seul. Pourquoi? Parce que on a des robots, des machines, des robots, qu'on a élevé notre niveau de compétence dans le pays. Il y a beaucoup plus de gens qui sont au baccalauréat, bac plus 2, bac plus 3 qu'avant, et qu'on produit beaucoup plus. Voilà, c'est pas compliqué. Donc la question, c'est ça, c'est quelle part du gâteau on arrive à produire, comment on arrive à se la partager, etc. C'est toujours le même débat, le partage des richesses. Ce débat sur les retraites, il est le débat central. Pourquoi? Parce que ça touche à la question de la pénibilité, de comment on considère son métier, son rapport aux autres, son rapport à ses enfants, son rapport à la vie, au temps long, au petit bonheur des petites choses. Parce qu'en plus, quand on les écoute, quand on est à la retraite, c'est fermer le rideau, il n'y a plus personne, et on ne sert plus à rien. On reste devant la télé. Quoi. Alors, on reste devant la télé, et encore, même rester devant la télé, certains y verront une source de richesse. Donc, bref. Donc, Gabriel Attal, au gouvernement, qui avait dit, faudrait que je la note cette citation. C'est le secrétaire d'État à la jeunesse. Ouais, et ben il avait dit, je me permets de chercher sur le téléphone. C'est pas trop bien. Regardez Gabriel Attal, il avait dit un truc génial. Alors, il le dit avec ses mots de libéral. Il dit une horreur. Gabriel Attal, retraité. C'est plus léger que le caméra. Ah ouais, c'est le dos. Bon, ça, c'est quand il avait dit des conneries sur les mesures d'âge légal. Alors, économie, retraité, association, je vous demande ce que c'est. Ah oui, ici. Si, ok. On m'entend vous. Si. Ah, voilà. Quand Gabriel Attal applaudit les associations pour, petit point, les coûts qu'elles évitent au pouvoir public. Mmh. Ah, ben c'est un libéral qui vous le dit, donc vous mettez ces mots avec la manière de qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les retraités qui s'impliquent notamment dans les associations, puisque aujourd'hui l'essentiel des associations tourne grâce aux retraités, c'est pour ça que je fais le lien entre lui, je ne fais pas le lien entre retraite et association, il dit les associations, mais vous savez que la plupart des associations tournent parce qu'il y a des retraités qui s'y impliquent. Et que c'est eux les permanents un peu non rémunérés qui permettent et puis en plus c'est bien parce qu'on l'a choisi l'assaut dans sa vie, je veux dire, on se dit enfin un truc qui me plaît, j'ai envie de le faire, je me sens utile, c'est bien. Et bien pour lui, vous lui évitez des coûts, sympa, mais ça veut bien dire que ça produit quelque chose quand même à retraiter. Exactement. Hein, exactement. Voilà. Exactement. Et ça produit quoi? Ça produit de la solidarité, souvent en plus intergénérationnelle. Ça produit du bonheur, du bien-être. Ça produit du lien. Des belles choses, du lien social. Enfin, ce qui fait notre humanité, ce qui fonde notre humanité. Ce qui est quand même mieux que de crever au boulot, quoi. Même quand on c'est pour ceux qui devraient être payés, les retraités qui font ça. Ils devraient être un peu payés. Ils devraient être payés, en fait, ils devraient avoir une bonne retraite, ce qui revient même. Ça veut dire qu'ils devraient être payés. D'ailleurs, c'est leur propre salaire. N'oubliez pas que la cotisation, c'est pas un dû. Vous n'êtes pas en train de mendier quand vous êtes à la retraite. C'est un salaire différé. C'est un salaire, exactement, un salaire différé. Puisque pendant, en fait, si vous aviez votre salaire en entier, vous devriez en avoir... entre 30 et 40% de plus. Et en fait, tout ça, c'est ce qui vous a servi et ce qui sert à ceux d'aujourd'hui à vous payer votre retraite, et pour l'assurance maladie, etc. C'est un jeu presque communicant, mais qui est plutôt vertueux et positif. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, sauf à vous dire que, en ce moment, c'est la bagarre dans l'hémicycle. Vous l'avez vu, j'imagine. On a déposé quelques amendements. Pas beaucoup. Alors, c'est de l'obstruction. Alors, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On n'a pas cherché à tourner autour du pot. Il est vrai que nous cherchons à mettre en échec cette réforme. On cherche à s'opposer à cette réforme. C'est normal, on est l'opposition. Non, mais en plus de ça, je veux dire... Déjà, ils sont déjà en porte-à-faux parce qu'ils ont supprimé l'ISF, la flat tax. Oui, ils ont supprimé tout ça, bien sûr qu'ils ont, ils ont fait ruisseler. Ils n'ont pas fait ruisseler. Non, parce qu'il y a des études qui ont montré que c'était pourri, leur ISF, que ça n'avait rien ruisselé du tout. Et ils n'avaient pas promis un truc en disant
On commande des études, et si ça démontre que de supprimer l'ISF n'a pas servi l'économie réelle, on reviendra dessus. Oui, c'est ce que j'ai dit, je pense, mon bébé. Bon, ben, on verra. Voilà, mais il y a trois ans. Je ne vais pas répéter dans le micro. Il y a déjà quatre ans qu'on attend. Mais l'idée, hein. À mon avis, ils ne vont pas revenir dessus. Donc là, on a dit, nous, on va faire tout ce qui est en notre capacité pour s'opposer à ce projet. Honnêtement, je ne sais pas. La probabilité qu'on arrive à s'opposer au projet par ce biais-là dans l'hémicycle, elle n'est pas terrible. Ils sont quand même plus de 300 à lever la main, tout un cadran. Pour l'instant, ce qu'on fait surtout, c'est gagner du temps, les user. C'est vrai qu'on les use, d'où ce que vous avez dit sur la pénibilité tout à l'heure. C'est vrai qu'on va peut-être mettre un critère de pénibilité de député. Pour les députés, oui. Pour avoir suivi l'opposition. Mais pendant ce temps-là, il faut que la mobilisation elle continue de s'installer. Là, on est un peu dans un petit creux, on le sait, parce que bon, c'est les vacances pour ce qui est des enseignants, et puis il y a ceux qui ont passé quand même 50 jours de grève et qui ont les fiches de paie à pas grand-chose, donc c'est quand même la réalité. Pareil pour les avocats, qui tiennent bon quand même, mais bon, ça commence à devenir dur. Mais maintenant, il va falloir qu'on se retrousse les manches, le beau temps va revenir. Bon, nous, alors, on a fait le collecton lundi pour le début de la réforme des retraites. On a collecté 100 000 euros, là j'ai vu, je crois que c'est ça le montant, c'est pas mal, ça va continuer. Même si on ne fait pas grève, on peut peut-être filer un coup de main à ceux qui peuvent le faire ou qui veulent bien le faire, par ce mécanisme-là. Mais il faut que la mobilisation, elle s'enracine et elle continue. Il y a Olivier Besancenot qui vient de proposer qu'il y ait une grande manifestation nationale à Paris pour marquer le coup un samedi potentiellement. Nous, on en est d'accord. C'est pourquoi on a créé ce comité national d'organisation de la mobilisation. Qui regroupe tout ça. Alors, c'est pas l'intersyndicale, ça vient en plus de l'intersyndicale pour aider l'intersyndicale et la mobilisation des salariés à s'ancrer dans le pays et à se déployer, à se développer. Parce que ce qui risque, enfin, ceux qui ont le plus de chances de convaincre Emmanuel Macron de retirer sa réforme pourrie, ça reste, excusez-moi, le MEDEF. Et quand eux, ils n'en pourront plus, ils appelleront, ils font écoute Manu, là c'est plus possible, là, c'est trop le bordel dans le pays. Ils ont commencé à le faire. Vous avez vu la conférence de financement? Parce que j'ai quand même oublié de vous dire, ouais, c'est vrai qu'il y avait un truc. Oui. Ils ne savent pas comment financer leur machin. Au petit détail. Quel machin? Détail de 300 milliards, le système des retraites. J'avais oublié l'essentiel. Parce qu'ils ont fait une conférence de financement. Alors ils nous ont dit, alors nous on dit dans l'hémicycle, mais attendez, vous faites la conférence de financement, on est au courant de rien, vous demandez de voter un texte, on ne sait même pas comment il va être financé. On pourrait avoir des éléments. Alors là, vous avez Pietraszewski qui dit, mes enfants, il faut faire confiance à la démocratie sociale et au dialogue entre les partenaires sociaux, laissons-les discuter et nous verrons bien le moment venu. S'ils ne trouvent pas d'accord, évidemment, nous viendrons devant la représentation nationale en faisant des propositions. Il dit, mais sinon, on peut peut-être arrêter le texte, là. Et puis effectivement, on les laisse discuter, puis une fois qu'ils ont fini, on passe au texte. C'est un truc dans l'ordre, quoi. Sauf que non, ils mettent la pression sur tout le monde. Ils mettent la pression sur les syndicats, la conférence de financement, en disant « si vous ne mettez pas d'accord, on vote le texte ». Et nous, ils nous mettent la pression sur nous, en disant « si vous ne votez pas le texte, c'est eux qui décideront à côté ». Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Donc ouais, ils ne savent même pas comment ils vont financer leur machin. Parce qu'il y a des petits problèmes, par exemple, sur les régimes complémentaires, Agirc-Arrco, avec le fait que le VAT 3 passe, le tête auto-électrique de machin passe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les plafonds de sécurité sociale. C'est des tranches de 40 000 euros, grosso modo, annuels de revenus. Donc au-delà de 3 passes, c'est-à-dire au-delà de 120 000 euros annuels, donc 10 000 euros par mois, quand on a ce chiffre de 10 000 euros par mois, vous ne faites plus qu'avoir une cotisation de 2,8 par là, pour cent, sans que ça vous ouvre des droits à pension. Solidarité. Par solidarité. Oui, c'est clair. Sauf que, en fait, si vous voulez de la solidarité, au-delà, comme vous ne cotisez plus, mais que même si vous gagnez des sommes comme celle-là, bah, ça vous intéresse de la retrouver à la fin de retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cotiser dans le plan d'épargne d'entreprise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui est défiscalisé, blablabla, etc. Bon, okay. Donc, ils ont dit que le MEDEF a dit que, quand même, bon, c'était quand même un peu problématique tout ça. Là, monsieur de Bézieux, il a dit, pour les au-delà de 10 000 euros, déjà la semaine dernière, vous avez expliqué que ça crée de l'incertitude pour les cadres de ce pays, parce que ça ne leur revient pas des droits, et puis que le plan d'épargne d'entreprise, bon, ok, on voit bien, c'est fiscalisé, mais c'est quand même pas, on ne sait pas encore ce que ça va donner, ça vient juste d'être créé.
Donc, bah, ils sont comme tout le monde, je veux dire, ils aiment bien voir ce que parvenir, un peu de stabilité. Ils n'aiment pas trop quand c'est le bordel, y compris pour eux, pour leur propre vie. Et donc, il a, monsieur de Bézieux, il a dit, non, mais attendez, moi, s'il n'y a pas de financement, si on ne tombe pas d'accord sur le financement, je ne soutiendrai pas cette réforme des retraites. Du coup, ça commence à faire beaucoup de monde qui est contre. Hein. Mm-hmm. Le MEDEF et la CGT contre la réforme des retraites, ça craint. C'est qu'à mon avis, il y a un truc qui ne va pas. Et puis la CFDT qui dit que finalement, peut-être qu'ils ne sont plus vraiment d'accord avec la réforme des retraites. Le truc, c'est que là, il y a... Bon, donc on tient le bon bout quand même. Alors nous, on fait ce qu'on sait faire de mieux. On s'oppose, on gagne du temps et puis on leur rend la vie impossible. Sauf que dans l'intervalle, vous vous rappelez qu'il y a l'histoire du 49-3, là, vous allez avoir des articles de dernière main. C'est tout n'est pas... Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale? Regardez, d'arriver. Les copains sont en train de se bagarrer dans l'hémicycle parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux qu'essayer d'inventer des machins pour commencer à mettre dans la tête des gens que c'est normal qu'ils utilisent le 49-3. Oui, mais okay, parce qu'on fait de l'obstruction et qu'on rend le débat impossible. Nous, on ne dit pas qu'on rend le débat impossible. Ok, on a fait beaucoup d'amendements, mais on a tout le temps pour nous. Si ça doit durer un mois et demi, pendant un mois et demi. Enfin, ça va, parler pendant un mois et demi pour modifier un système qui est là depuis 70 ans, bon, ça va, c'est bon, quoi. C'est pas beaucoup. Qui concerne 300 milliards d'euros et 100% des Françaises et des Français. On peut quand même imaginer qu'on en parle un mois et demi, voire même deux mois. Ça va, ça semble à peu près normal. C'est dans l'air de voilà, c'est normal. Mais eux, ils ont dit que ça devait durer une semaine et demie en commission spéciale et pas plus de deux semaines. Ils avaient prévu deux semaines au départ. Ils avaient prévu deux semaines de débat en procédure accélérée. Finalement, ils ont ouvert une troisième semaine. On en est là, quoi. C'est ça leur truc. Et ils veulent absolument que ce soit avant les municipales. Voilà. Ah, je ne sais pas pourquoi. On arrête les débats là où on les a au municipal, et puis on les reprend deux semaines plus tard. Tout va bien. Quoi. Il y a plein de textes qu'on a fait comme ça. La réforme constitutionnelle avec Benalla, on a arrêté, et puis. Non, on ne l'a jamais reprise. Peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent absolument le faire passer avant les élections municipales et qu'on tienne jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous allez voir fleurir sur les plateaux télé les nouveaux éléments de langage de la Macronie, c'est que quand même la France insoumise, ils sont insupportables, on s'en le sait déjà, ils prévoient de déposer 700 000 amendements supplémentaires. Bon, en fait, c'est pas nous hein, qui les déposons, c'est nos attachés parlementaires, c'est eux qui trinent et qu'il faut les remercier aussi parce que ce sont les travailleurs de l'ombre qui nous accompagnent. Et je peux vous dire qu'ils font des heures comme c'est pas permis, il y en a derrière les écrans là-bas, notamment. Bon. Et c'est ça la réalité, hein, c'est qu'il a fallu, y aller. Hein. Tu poses trop, toi, tu viendras. Tu te donnes 40 sous. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a fait. Donc on a c'est comme t'es mal payé par les chefs. Hein. Mais il y a peut-être un petit truc payé. D'affichage ça, quand même. Ça te convient? C'est qu'en vrai, on a fait 17 fois le même amendement. Ouais. Ok, déposé nom par nom. On peut faire ça, soit on en fait un signé par les 17, c'est ce qu'on faisait depuis le début de la mandature en réalité. Soit vous pouvez par paquet de 3 ou 4 ou par 5, comme vous voulez, vous mettez autant de signataires que vous voulez. Juste en commission, c'était bien parce que. Chaque député peut défendre un amendement. Donc là, ça faisait 17 fois 2 minutes. C'est pour ça qu'ils ont très vite dit on va faire une minute. Ce sera toujours ça de prix. Voilà. Sauf qu'en hémicycle, en séance publique, le nouveau règlement qu'ils ont fait voter en septembre dernier, puisque oui, il y a un nouveau règlement, histoire qu'on verrouille bientôt, dit que si vous déposez X fois le même amendement dans le même groupe, il n'y en a qu'un seul de votre groupe qui peut le défendre. Donc déjà, on se calme un peu, on ne va pas défendre 22 000 amendements, vous pouvez déjà diviser par 17, hein, tout va bien. Ça fait un petit effet quand même, 22 000. Et alors du coup, comme on n'était pas content qu'ils veuillent restreindre le temps de parole parce qu'ils ils ont voulu nous retirer des amendements qui leur semblaient identiques, enfin, il y a eu une petite bataille là, pendant les deux premiers jours, on a fait des sous-amendements. Donc quand vous avez un amendement, vous pouvez sous-amender, c'est-à-dire modifier l'amendement, un mot, une virgule, ce que vous voulez, une phrase complète. Hein. Par exemple, dire que on avait fait des amendements pour dire que leur régime était non pas universel, mais qu'est-ce qu'on a mis inéquitable, je crois, un truc comme ça, remplacer universel par inéquitable. Et alors du coup, on a fait des amendements pour dire très inéquitable,
vachement inévitable. Bon, c'est pas les amendements les plus percutants. Bon, mais bon, bah, ça fait deux minutes de plus où vous pouvez expliquer pourquoi c'est inéquitable. Parce que j'ai fait quand même là depuis tout à l'heure, et vous dites que du coup, resserrer en deux minutes, il faut beaucoup de deux minutes pour faire une démonstration d'ensemble de pourquoi leur système est pourri. Quoi. Bon. Et donc, ils ont dit oui, mais regardez, ils vont encore faire plein de sous-amendements, ils vont en faire 700 000. Donc là, ils expliquent partout qu'on en fait 700 000, et que du coup, 700 000 fois deux minutes, il faudrait au moins 16 ans de débat. Non, je m'accorde. Oui, ils ont dit depuis là, ils ont vu ça dans le train, ils ont vu ça dans l'hémicycle, ils sont en train de passer sur les plateaux de télé, comme on avait fait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ne vous ont pas montré. Bon, alors, Gilles Legendre a fait une conférence de presse en disant que c'était insupportable et que ça allait pas être. Alors, comment il a dit? Il n'a pas dit 17, parce qu'il a mis les communistes aussi avec nous. 33. 33. 17 plus 16, il a dit, voilà, c'est pas 33 personnes qui vont empêcher 544 autres de débattre tranquillement de l'avenir du pays et de comment vous allez refaire les poches. Ah, ok, s'il vous plaît. Donc, parmi les socialistes, puisque tu es parti quand même un peu la bataille, on peut le reconnaître ça, bon, peut-être avec un peu moins de vigueur, mais pas grave. Donc, non, on va pas déposer 700 000 amendements, enfin sous-amendements. Là. Ils ont inventé ce truc. Je vous jure, ils ont inventé ce truc. Ouais, alors, du coup, tout à l'heure, dans l'hémicycle, juste avant qu'on commence la réunion, Adrien a pris la parole parce que c'est Olivia Grégoire, députée de La République En Marche, qui a fait circuler, qui a commencé à faire circuler cette information avec Gilles Legendre, leur président de groupe, et a dit, mais de où vous sortez vos 700 000 ? Mais si vous avez dit dans les couloirs que vous feriez des sous-amendements sur tous les amendements. Du coup, on a pris les 40 000 amendements qu'on a multipliés par 17, et du coup, ça fait 700 000. Et d'ailleurs, il y a Clémentine Autain, elle l'a dit tout à l'heure devant les caméras. Clémentine n'a rien dit du tout devant aucune caméra. De toute façon, tout le monde s'en fout, personne ne vérifie rien dans ce pays, hein, quand on est journaliste. C'est un problème, d'ailleurs. Un jour, on a un grand débat sur la fonction des journalistes et comment ça se passe dans ce pays. Et donc, bah, voilà, ils ont mis la petite musique que... on voulait paralyser l'Assemblée nationale. Non, juste qu'ils retirent leur texte, hein, c'est tout aussi. Voilà. Non, okay. Et ben, du coup, ils disent, ils commencent à dire que va falloir faire quelque chose. Après, ils préparent le terrain pour vous dire, on a été obligé. Oui. On voulait pas, mais on a été obligé d'utiliser le 49.3. C'est pas nous, c'est eux. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une bataille de fond, en filigrane. De la constitutionnalité de tout ce bazar. Parce que comme le Conseil d'État, alors même qu'on n'avait pas encore déposé un seul amendement, a dit qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité fort, pour analyser la constitutionnalité, il y a plein de critères, et il y a notamment le critère de sincérité des débats, et que les débats puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Bon, c'est un peu raté pour la commission spéciale, qu'on n'est même pas allé au-delà de l'article 13 ou 14, vous pensez bien que c'est déjà mal barré. Et donc, ils se sont dit, si on continue comme ça, le Conseil constitutionnel, rien que sur la forme, la manière de ce qui sont passés les débats, de notre étude d'impact pourrie et truquée, on risque de se faire... Donc, il faut qu'on prouve que s'il y a de l'obstruction, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Bon. Moi, je ne mise pas une stratégie sur le Conseil constitutionnel de toute façon, parce que je pense que même en mettant le 49.3, même en saccageant les principes, le Conseil constitutionnel est capable de valider plein de choses. Et depuis 2 ans et demi, il valide plein de choses qui me semblent horribles, d'un point de vue constitutionnel, y compris dans le détail. Oui. N'empêche que eux, ça les fait flipper quand même. Donc, c'est que, encore une fois, on tient le bon bout. Mais il ne faudrait pas que la bataille elle soit que dans l'hémicycle. Donc, moi, je vous invite à, partout autour de vous, continuer de vous mobiliser, de mobiliser, de le faire savoir qu'on a besoin de lutter, parce qu'on les tient, quoi. On les tient, et qu'il ne faut rien lâcher. Voilà, je vous remercie. Il faut avoir échangé. Je voudrais faire un peu justement la réforme des retraites. Parce que